Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer une application que vous avez probablement entendu parler, d'accord? Randonautica. Qu'est-ce que c'est Randonautica? Randonautica, c'est une application dans laquelle tu dois aller à une place random sur la map. En gros, ça donne un endroit comme aléatoire, proche de chez toi. Tu dois t'y rendre, puis normalement, quand tu te rends à cet endroit-là, tu trouves des trucs un peu spéciaux. Donc, en gros, comment ça marche? Tu dois penser à un mot qui va être représentatif de ton exploration. Et après ça, l'application te génère un point aléatoire sur la map à laquelle tu dois te rendre. Et à cet endroit-là, normalement, t'es supposé voir ou retrouver un truc qui... de ce que tu pensais, tu vois. Donc, en gros, quand tu fais cet endroit-là, tu vas voir ce que tu pensais. Mais, par exemple, mettons, tu penses à une maison abandonnée, genre tu vas arriver au point et puis il va y avoir une maison abandonnée. Ou mettons que tu pensais à, mettons, le mot effrayant, mais quand tu vas arriver là-bas, il va y avoir de quoi d'effrayant. Bref, il y a beaucoup de trucs vraiment spéciaux avec cette application, puis j'ai pensé, pourquoi pas l'essayer. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé cette application-là, puis qui disent justement que ça marche pour de vrai. For real, je suis vraiment sceptique, là, genre j'ai de la misère à croire à ça. Mais bon, peu importe, on va quand même l'essayer. Par exemple, il y a un groupe de jeunes qui, eux, leur mot c'était travel, donc voyager. Et puis, ben, l'application les amenait à une valise. Déjà, en partant, valise, voyager, tu vois, c'est... Ça fait un petit lien. Et dans la valise, il y avait un humain décapité. Ouais. Fait que, ouais, c'est assez spécial. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui ont des expériences un peu similaires. Bon, ils ont peut-être pas trouvé genre un humain décapité, tu vois. Mais ils ont des expériences similaires. Alors, moi, je sais qu'on commence tout de suite, d'accord. Donc, il faut que tu penses à un intent, qui est une intention. Ben, ça peut être pas mal n'importe quoi, genre tu peux passer à une couleur. Fait que, mettons, moi je pense qu'on pourrait peut-être pour le premier essai, on pourrait peut-être penser justement à une couleur, de quoi qui est vraiment sain, de quoi qui fait pas trop peur. Puis après ça, de plus en plus, on pourra aller dans des affaires un peu plus, tu vois, creepy. Je vais ouvrir l'application et on va commencer tout de suite. Ma caméra a un peu de misère à focusser, ok, c'est tout à fait normal. Ok, donc on va y aller avec un attracteur qui est juste ici. Donc on va faire next. Alors là, c'est le moment qu'il faut penser justement à ce qu'on veut voir au sujet. Donc moi, je dis qu'on pense à la couleur bleue. On va penser à la couleur bleue, d'accord? Donc voilà, alors couleur bleue, tu vois, des fleurs bleues, je sais pas, un divan bleu. Ok, non, ça c'est bizarre. Bleu. Et puis voilà, on va faire start. Et puis là, normalement, ça va me chercher un point. Allô tout le monde, on se retrouve avec ma GoPro, d'accord? Donc en fait, j'ai généré un point, d'accord? Je vais vous montrer, ok. Ok, en gros, voilà, j'ai un point. On va se diriger vers ce point-là. Alors, comme je vous rappelle, mon intention est la couleur bleue. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui nous attend à cet endroit-là. Donc, je vous reviens quand on est rendu à l'endroit. Oh my god, vous savez pas si ça vient de m'amener où. Je capote. Vous savez, ma couleur, c'était bleu. Ben, checkez ça. L'endroit exact où ce que le point se situe. Regardez ça. C'est exactement ici le point se situe. Et c'est vraiment bizarre. Alors, pour le premier mot, on va y aller avec le mot inexplicable. Donc, ça va être comme mon intention. Fait que voilà, je vais tout de suite... On va rechercher cette intention-là. Parce que comme vous savez, l'intention, il faut que tu aies une intention. Donc, ça le dit, il faut que tu réfléchisses à une intention. Ce qui va représenter un peu ton exploration. Donc, on va y aller avec inexplicable. Genre, de quoi qui est vraiment comme genre, what, genre, inexplicable. Donc voilà, on va penser au mot inexplicable. Mais comme vous voyez ici, j'ai mon sel ici. Inexplicable. Genre, what the fuck. Bon, alors ici, j'ai un point, donc on va se rendre. Alors voilà, on va s'y rendre, c'est à genre 3 minutes de chez moi. Donc on est parti. Donc, je suis pas mal rendu vers le point, pour vrai. Puis ben je vois rien vraiment d'anormal, je vous avouerai. Rien d'anormal là. Je suppose que ça a peut-être pas marché en fait, je sais pas trop là. Je vois rien de bizarre, je vois rien d'inexplicable. Ah. Je viens d'avoir de quoi d'assez spécial. J'aimerais ça vous montrer un peu. Regardez sur l'arbre. Il y a comme une lettre A, on dirait. Je sais pas ça signifie quoi, je sais pas si c'est une pure coïncidence, mais c'est assez spécial pour vrai. J'ai vraiment aucune idée, je suis un peu troublé en ce moment. Donc écoutez, moi ça va être la fin de la vidéo, d'accord? Là il y a de la construction proche, je suis désolé pour le bruit en arrière-plan que vous entendez. Puis je pourrais faire une autre vidéo sur Randonautica,
Donc, je vais vous dire à très bientôt, abonnez-vous, puis voilà, peace out!